Et l'arbitre vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. Premier ballon de cette seconde période, joué à l'instant par les joueurs de la Juventus. Non, le gardien, le dernier obstacle. Oui, dans le trou. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Le gardien qui peut peut-être le laxisme de sa défense. Et c'est vrai qu'il a été énormément sollicité jusqu'à présent. Il avait bien tenu la baraque, mais c'est l'action de trop. Eh oui, il a mis exactement là où il le fallait. Le gardien ne pouvait rien faire. Alors nous voilà sortis de l'impasse dans cette seconde période. Mandzukic. Evra. Patrice Evra qui sort ce ballon en le contrant. Gabi. Jackson Martinez. Philippe Luis. Antoine Griezmann. Et il lui redonne. Oh, quel joli tir! Le gardien qui repousse. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Martinez. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Sekira. Pereira Carrasco. Sur ce ballon, ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Une belle occasion qui s'envole. Il a bien joué le coup pour reprendre ce ballon de la tête, mais dans la finition, c'est pas ça. Stefan Lichtsteiner. Attention à cette perte de balle au milieu. Mandzukic. Oh, c'est bien parti. La Juventus qui marque. Ah, but partout, tout est à refaire. Pereira Carrasco. L'équipe à domicile qui verra bientôt effectuer un changement. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Marquisio. Un ballon pour Fernando Torres. Un ballon d'attaque. L'occasion peut-être avec cette frappe. Et ça fait but. On voit le joueur qui respecte un petit peu contre l'arbitre assistant. Oui, le drapeau s'est levé. Il aura beau discuter, ça ne changera rien. Evra. Attention, ne pas commettre de faute. Les Steiner. Un ballon pour Fernando Torres. Et c'est le face-à-face avec le gardien.
Oh, c'est parti. Ouais, intervention du gardien qui repousse. Ça a donné une touche pour la Juventus de Turin. Bonne interception. Elle passe de la tête, c'est bien. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Luigi Buffon, l'exclusion qui l'oblige à quitter le terrain. Surtout, il va déjà bientôt prendre sa retraite. Ce duel qui est déjà fini. C'est pas posé de questions sur ce penalty. La bonne course d'élan du tireur qui trompe le gardien. Il a levé la tête juste avant la frappe pour voir si le gardien était parti ou pas. On revoit ce but sous un autre angle. Mène à la marque désormais de buts à 1. Mandzukic. Oh, quelle occasion! Ah, le gardien qui peut finalement empêcher ce ballon de rentrer. Deux buts aussi proches l'un de l'autre, c'est dur. Oh, Hervé, quel coup de génie pour marquer de cette distance. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et avec ce nouveau but, eh bien, ça fait 3 buts à 1 maintenant. L'arbitre qui a décidé qu'il y aurait 5 minutes de temps additionnel. Pour Fernando Torres. Ok. Il reste seul. Peut-être une élongation. Kedira. Oui, bonne circulation du ballon. Ouais, je le tire. Un ballon qui a été mal frappé. Je crois qu'il a pris trop de l'extérieur. Ouais, les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent, c'est terminé. Franck, au moment de l'analyse de ce match, on ne peut pas ne pas parler de cette supériorité numérique. Elle a pesé lourd, c'est sûr. Ils ont su en profiter sans paniquer et en posant bien leur jeu. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre ce match en notre compagnie. Merci Franck, salut.
en programme du jour. Le troisième match dans ce groupe de la Coupe des Champions. Il y a des points à prendre en vue de la qualification. On commence à y voir plus clair. Et nous allons suivre la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Match arbitré par Alessandro Vecchio Cina. Ferreira Carrasco. Oh, le beau tir. Oh, le ballon a touché le poteau avant de sortir. Sven Bender. Marco Reus. Et ce ballon qui traîne. Ok. Antoine Griezmann. Sven Bender. Attention, pas commettre de faute. Oh oui, c'est le face à face avec le gardien. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Jackson Martinez. Oh, ça va rentrer, ça y est. Ah, c'est lui qui va nous voir de belles images. Là, au ralenti, on va bien en profiter. Cette action montre bien qu'il faut jouer tous les coups à fond. Et ce but, cette fois-ci, avec une autre caméra. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Cacahuète. Oh, le beau tir! Au but! Encore un, quasiment dans la foulée du précédent. Ah, je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait 2 buts déjà pour son compte personnel. Et le gardien ne peut pas intervenir, c'est suffisamment au premier poteau. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle.